Dodo Doku vers l'Olympique Lyonnais. Cette vidéo est sponsorisée par Afri Logement, votre leader en conseil pour la location et ou la vente de tout bien immobilier. Construction de maison, vente de maison, location de maison, téléphone plus 229 66 38 27 42. info@afrilogement.com. Coucou, salut, salut, bienvenue dans ce Flash Info, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Tout à l'heure c'était chaud, on était en direct. Tous les soirs vous aurez un direct courant 17h, 16h30, 17h, vous aurez un direct sur la chaîne. Et ouais, restez scotché, restez câblé désormais. Prenez le programme. L'Olympique Lyonnais, le club français, a fait une offre officielle à Smoa Sporting Club, un club égyptien où lequel évolue bien sûr Dodo Doku, notre international béninois. Et bon, vous voyez, pour signer Dodo Doku, hein, ils ont fait l'offre là. Et vous voyez, Dodo Doku, il a actuellement 19 ans. Et dans son offre, Lyon a demandé à Dodo Doku, bien sûr, qu'il sera signé lors de ce mercato estival 2023 avec le paiement de la valeur de la transaction en deux versements. Vous voyez. Moi-même, comme vous, en tout cas, moi j'ai lu l'information sur les réseaux sociaux. C'est une information à prendre avec beaucoup de pincettes. Est-ce que Dodo Doku a été cotisé réellement par l'Olympique Lyonnais? En tout cas, nous y reviendrons et ça pourra aussi faire l'objet de direct. On ne sait jamais. En tout cas, chaque fois maintenant, ce sont des directs. On a fait une heure de direct aujourd'hui. Dodo Doku à Lyon, c'est une bonne nouvelle. On nous avait annoncé bien sûr que Tosin Ayegun allait débarquer à Lyon, mais il n'en est rien. Maintenant, Dodo Doku, est-ce que le profil du joueur colle bien sûr au club olympien? On va en débattre. On va décortiquer tous ces sujets-là. En tout cas, on va encore fouiller pour voir si Dodo Doku est réellement approché par l'Olympique Lyonnais qui n'est pas un petit club. C'est vrai que Lyon a actuellement besoin de recruter. L'Olympique Lyonnais, ils ont fait un faux pas lors de leur première journée du championnat et ils ont à cœur de corser l'effectif parce que Lyon, c'est plus comme avant. L'Olympique Lyonnais est en déclin, là un peu en déclin, il faut le reconnaître. Maintenant, recruter Dodo Doku, ce sera une très bonne nouvelle pour le Guépard et pour l'équipe nationale béninoise aussi, parce que Dodo Doku, s'il évolue de l'autre côté de Lyon, ça va faire une très très belle chose. Quitter bien sûr le championnat égyptien pour aller à Lyon, c'est un pas de plus et nous lui souhaitons beaucoup de courage. Si ce transfert arrive à être concluant, et on espère que bon, c'est pas encore un fake news, parce qu'on est habitué désormais à des fake news ici. Dodo Doku, avec son profil, il pourra évoluer dans ce championnat français parce qu'il a un football, il a un jeu, il a un style de jeu atypique qui colle bien sûr au football français et espagnol. Dodo Doku, il n'est pas très très élancé et tout et tout. Donnez votre avis, on revient tout de suite.